Bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, nous allons présenter la méthode qui permet à partir d'MPLAPX de charger un programme déjà existant. Nous allons ensuite présenter quelques-uns des outils de simulation qui vont vous permettre de tester vos programmes avant d'insérer ces derniers dans le microcontrôleur se trouvant dans les circuits C. Donc, c'est-à-dire comment utiliser les watch windows, comment utiliser les breakpoints, comment utiliser les fenêtres de stimulus et comment exécuter son programme pas à pas. Donc, commençons tout d'abord par démarrer notre application. Donc, on va libérer quelques pages. Parfait. Donc, si nous voulons recharger un programme déjà existant, tout ce que nous avons à faire, c'est aller sur Fichier, Open Project. Et nous pouvons ainsi naviguer vers le dossier contenant le projet qui nous intéresse, cliquer sur ce dernier, appuyer sur Open Project et le projet s'ouvre. On voit ici que puisque c'était un projet déjà existant, il contient déjà le fichier include que nous avons décrit dans la vidéo précédente, ainsi que un fichier de code. Un fichier de code qui en réalité a démarré avec le fichier 16ftemp.asm dont on a parlé dans la vidéo précédente. Ce fichier a été renommé et modifié pour les besoins de la cause. Donc, le programme miroir ici présent à l'école, qui vous a déjà été présenté en classe lors de la dernière séance, exécute les fonctions suivantes. Donc, dans la description, on peut lire que cet exemple a pour but de démontrer les différentes étapes à suivre pour effectuer la configuration d'un port du microcontrôleur en entrée ou en sortie. Ce programme spécifiquement, qu'est-ce qu'il fait comme action? Il lit l'état des interrupteurs se trouvant sur le port B et les reflète sur des LED se trouvant sur le port B. Donc je répète, on va lire l'état des switches se trouvant sur le port B et si ces switches sont activés ou désactivés, les LED correspondantes vont être allumées ou éteintes sur le port B. Donc, pour arriver à ce fonctionnement, il faut d'abord être capable de configurer le port D en entrée, le port B en sortie. Il faut ensuite être capable d'effectuer une lecture du port D et selon les valeurs qui sont lues, des 1 ou des 0, donc 0 volts ou 5 volts, être capable d'écrire sur le port B respectivement des 1 ou des 0 pour allumer ou écrire pour allumer ou éteindre des LED. Donc, allons tout d'abord voir l'ordinogramme qui représente la fonctionnalité de ce programme. Donc, nous avons juste ici un ordinogramme nommé miroir qui décrit étape par étape ce qui va se produire dans le programme. Donc, première étape, initialiser les bits de 0 à 7, donc les 8 bits du port B en entrée. Donc, comment allons-nous réaliser cette tâche dans notre programme? Donc, faisons-nous un peu. Donnez-moi une seconde. On va fermer celle-ci. On va fermer celle-ci. Parfait. Donc, donnons-nous un peu d'espace. Voilà, on va fermer toutes les fenêtres non nécessaires pour l'instant. Parfait. Donc, un peu plus. On est à 100%. Parfait. Donc, pour initialiser un port en entrée ou en sortie, ce que nous avons vu dans le cours théorique, c'est que chaque port du microcontrôleur, donc chaque port du 16F877A, du port A au port D, contient un registre associé qui s'appelle TRIS. TRIS A, TRIS B, TRIS C et TRIS D. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Pour être en mesure de configurer un bit en particulier, un port en particulier en entrée, il faut mettre un 1 dans le bit du registre correspondant. Et pour configurer en sortie,
un bit en particulier, d'un port en particulier, il faut mettre dans le registrice, dans le bit du registrice correspondant, un 0. Donc, deuxième problème que nous avons à résoudre pour configurer nos ports en entrée et en sortie est la position des registres à l'intérieur des différentes banques. Donc, prenons un exemple concret. Si nous voulons configurer le port B qui se trouve juste ici en entrée, nous devons mettre des. Pardon, si nous voulons configurer le port B qui se trouve juste ici en entrée, nous devons mettre dans chacun des bits du portrice B des 1. Si nous voulions configurer le port B qui se trouve juste ici en sortie, nous devrions mettre dans chacun des bits correspondants du registrice B des 0. Le problème est le suivant. Le port B se trouve dans la banque 0 alors que trice B se trouve dans la banque 1. Quand nous démarrons le microcontrôleur, il se trouve par défaut dans la banque 0. Donc si nous voulons attaquer des bits en particulier du registrice B ou trice D, puisque dans cet exemple, nous configurons le port B en sortie et le port D en entrée, donc nous devons respectivement mettre des 0 dans tous les bits du trice B et des 1 dans tous les bits du trice D. Nous devons d'abord rediriger le microcontrôleur vers la banque 1 pour manipuler les registres trice B et trice D avant de ramener le microcontrôleur vers la banque 0 pour utiliser nos fameux ports. Pour être capable de sauter d'une banque à l'autre, en fait, c'est le registre de statut qui nous permet d'y arriver. Et le registre de statut nous permet d'y arriver de quelle manière? Le registre de statut nous permet d'y arriver à travers deux de ces bits, le bit RP1 et RP0. Donc, en forçant ces bits à 0 et à 0 respectivement, nous pointons le microcontrôleur vers sa banque 0. En forçant ces bits à 0 et à 1, nous forçons le microcontrôleur vers la banque 1, etc., jusqu'à la banque numéro 3. Donc, ce qui a été fait dans le programme que nous avons ici en exemple, c'est que nous avons créé une sous-routine, ou plutôt des sous-routines de configuration des ports. Donc, lorsque notre programme démarre, et nous allons l'exécuter pas à pas tout à l'heure, mais commençons par regarder globalement ce qui se passe. Lorsque notre programme démarre, pendant un cycle, nous ne faisons qu'une opération. Ensuite, nous sautons vers la partie principale du programme, donc juste ici. Et dans la partie principale du programme, nous appelons notre première sous-routine. L'instruction call permet d'appeler une sous-routine. Donc, comment est-ce que le compilateur fait pour retrouver cette routine? Ben, il cherche l'étiquette que nous avons créée. Donc, quand tout à l'heure nous allons exécuter notre programme, call config port B va être appelé et le compilateur va chercher dans notre arborescence de projet la routine config port B. Donc, la routine config port B se trouve juste ici et une routine démarre par le nom de l'étiquette que nous lui avons attribuée et se termine par le mot-clé return qui ramène le programme à la ligne suivant l'appel de cette fameuse routine. Donc, nous allons pouvoir observer ce mécanisme quand nous allons exécuter le programme tout à l'heure. Donc, la routine config port B a pour but de configurer le port B, dans notre cas ici, en sortie. Mais comme nous l'avons vu dans la fiche technique, pour configurer le port B en sortie, il faut tout d'abord changer de banque. Donc, pour changer de banque, pour passer à la banque 1, nous devons mettre respectivement à 0 le bit RP1 du registre de statut et respectivement à 1 le bit RP0 du registre de statut. Puisque c'est une manipulation que nous allons devoir faire assez fréquemment, ben, j'ai créé ici encore une fois une sous-routine appelée jump to bank 1 et une autre routine appelée jump to bank 0 qui va nous permettre de manière très très facile de sauter d'une banque à l'autre. Donc allons premièrement voir ce qui se passe dans jump to bank 1. Donc dans jump to bank 1, nous utilisons l'instruction orientée bit
Donc, bit.setFile, suivi du registre de statut tel que défini dans le fichier include, suivi de la constante RP0 telle que définie dans le fichier include. Donc, cette ligne de code signifie quoi? Met à 1 le bit RP0, donc le bit 5, dans quel registre? Dans le registre de statut. Et ensuite, BCF, donc BitClearFile, met à 0 le bit RP1, donc le bit 6, dans quel registre? Dans le registre de statut. Donc, ce qui correspond effectivement à ce que nous avons vu dans la fiche technique tout à l'heure. Si nous mettons un 0 sur RP1 et un 1 sur RP0, nous sommes dans la banque. Et idem pour jump to bank 0. Donc cette fois-ci, nous faisons deux bitclear files, respectivement sur RP0 et RP1, tous deux des bits du registre de statut, ce qui est représenté ici dans le commentaire. Donc, une fois que nous sommes dans la banque 1, que se passe-t-il? Mais nous voulons charger 0 dans tous les bits de trace B pour que tous les bits correspondants du port B soient des sorties. C'est ce qui est représenté ici dans le commentaire. Si nous mettons 0 dans chacun des bits du registre trace B, automatiquement, chacun des bits du port B qui est connecté à l'externe à nos LED sera configuré en sortie. Donc, pour y arriver, nous allons utiliser l'instruction move LW, donc move literal to W, et nous utilisons la valeur exacte 00 qui représente 0000000. Cette valeur est mise dans l'accumulateur, et à partir de l'accumulateur, nous utilisons l'instruction move WF, donc prendre le contenu de l'accumulateur et le transférer dans un registre. Quel registre? Le registre qui est spécifié ici. Donc, nous allons voir tout à l'heure en exécution. Dès lors que cette ligne sera exécutée, notre trace B sera chargée avec des zéros. Maintenant que notre port B est configuré en sortie, nous voulons retourner vers la banque, zéro où se trouve le fameux port. L'instruction return nous ramène dans notre programme principal à la ligne suivante, l'appel de notre sous-routine. Donc voici la ligne à laquelle nous avions appelé notre sous-routine. Voici la ligne suivante, l'appel de notre sous-routine. Donc de la même façon, nous avons créé une sous-routine config port D qui elle nous permet de configurer en entrée le port D. Donc si nous allons voir config port D, la routine config port D, telle qu'expliquée dans le commentaire juste ici, nous dit que en insérant des 1 à l'intérieur de chacun des bits du port D, nous configurons chacun des bits respectifs, pardon, en insérant des 1 dans chacun des bits respectifs du registre D, nous configurons chacun des bits associés du port B en entrée. Donc, le registre trace D se trouvant dans la banque 1 et le registre port B se trouvant dans la banque 0, nous devons d'abord, en utilisant notre routine jump to bank 1, nous diriger vers la banque 1, charger l'accumulateur avec la valeur littérale FF, et ensuite utiliser un move WF pour prendre le contenu de l'accumulateur et l'envoyer dans le registre CD pour par la suite revenir vers la banque 0. Nos deux ports sont maintenant configurés respectivement en sortie et en entrée. Ensuite, nous pouvons démarrer l'exécution de notre programme. Donc, retournons à notre ordinateur. Une fois que le port D a été configuré en entrée et que le port B a été configuré, pardon, une fois que le port D a été configuré en entrée et le port B configuré en sortie, nous devons lire le port D, donc lire l'état des interrupteurs, et d'après l'état de ces interrupteurs, nous devons mettre à jour l'état des bits du port B, et ceci s'effectue en boucle.
temps réel, quand nous changeons l'état d'un interrupteur sur le port D, l'information est mise en mémoire et on utilise la même information qui est reflétée sur le port B pour allumer ou éteindre des LED. Voilà pourquoi le programme s'appelle miroir, car il miroite sur le port D l'état des interrupteurs se trouvant sur le port B. Donc, fermez nos dynogrammes, nous ne devrions plus en avoir besoin. Donc, regardons ce qui se passe ici. L'instruction MOVEF, qui est une instruction orientée registre, que nous allons aller voir dans la fiche technique, sous Instruction Summary. Minimisons un peu la taille. Donc, MOVEF. MOVEF a quoi comme effet? Donc, MOVEF nous permet... MOVEF veut tout d'abord dire MOVE FILE. Donc, elle permet de lire le contenu d'un registre et de choisir la destination où on veut déposer la valeur. Donc, MOVEFD signifie que je peux lire un registre, en l'occurrence ici le port D, et choisir de déposer le résultat de la lecture soit dans l'accumulateur, soit dans le registre lui-même. Donc ici, ce que nous allons vouloir faire, c'est lire le port D et mettre le résultat dans l'accumulateur, pour que de l'accumulateur, nous puissions le refléter sur le port B, qui lui est configuré en sortie et branché sur nos LED. Donc si nous regardons le programme en assembleur, c'est exactement ce qui est fait ici. MOVEF, port D, W. Rappelons-nous que la constante W dans le fichier include a une valeur de 0. Donc MOVEF, port D, 0 signifie que je veux lire le contenu du port D et le mettre dans l'accumulateur. Ensuite, nous faisons un MOVEWF, donc prendre le contenu de l'accumulateur et le déposer dans le registre, quel registre? Le port B. Nous venons donc de récupérer l'état 1 ou 0 des interrupteurs sur le port B et l'assigner au bit correspondant. Nous venons donc de lire l'état 1 ou 0 des entrées du port D, donc des interrupteurs branchés sur le port D, et de l'assigner au bit correspondant sur le port B, qui lui est configuré en sortie, donc d'allumer ou d'éteindre les LED branchées sur le port B. Ensuite, nous avons l'instruction GoToBook, GoToBook qui nous ramène à l'étiquette Book, donc le programme en boucle infinie, en fait, jusqu'à ce qu'on désalimente ou redémarre le microcontrôleur. Notre programme va sans cesse lire l'état des interrupteurs sur le port D et les refléter sur le port B pour allumer le LED. Donc maintenant, c'est une magnifique histoire, mais comment pouvons-nous nous assurer du bon fonctionnement de cette application? En fait, c'est relativement simple. Nous allons utiliser quelques outils pour simuler notre programme. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans Windows, Pick Memory Views, Windows, Other. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mélange. Windows Simulator, merci. Et choisir Stimulus. La fenêtre de Stimulus nous permet de faire quoi? Nous permet, pendant l'exécution de notre programme, de simuler des niveaux logiques haut ou bas sur différents bits d'un port de notre microcontrôleur. Donc ici, j'avais préalablement configuré RD0, RD1 et RD2 qui sont respectivement le bit 0, 1 et 2 du port D en mode toggle, ce qui signifie que chaque fois que je vais appuyer sur un bouton ici, ce bit-là va changer d'état. Il va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0. Donc comment est-ce que ça marche? Si vous cliquez ici, vous pouvez aller choisir le bit du port du microcontrôleur qui vous intéresse. Donc je vais aller choisir ici RD3, qui est le quatrième bit du port B. Et on peut choisir de Set High, ou Set Low, ou Toggle. Je vais y aller ici avec un Toggle. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire pour les 8 bits du port. Avec les 4 bits, on devrait avoir une bonne idée de ce qui est en train de se passer. Ensuite, toujours dans
Window. Je vais aller dans cette fois-ci. Excusez-moi. Ouais. Merci. Dans Debugging. Et dans Debugging, je vais aller choisir Watch. Donc, la fenêtre Watch est une fenêtre qui me permet de faire quoi? Qui me permet de spécifier les différents registres que j'aimerais surveiller à l'intérieur de mon application. Donc, je vais les effacer, ce que j'avais déjà préconfiguré, pour vous montrer comment cette fenêtre fonctionne. Donc, dans cette application, nous avons vu que nous allons avoir besoin de surveiller ce qui se passe dans l'accumulateur. Donc, l'accumulateur est le WREG. Donc, ici, nous sommes configurés pour avoir la valeur en hexa contenue dans l'accumulateur, mais aussi la valeur en binaire. En fait, c'est relativement simple. Si on double-clique sur la barre qui se trouve ici, on peut choisir les différentes informations qui s'affichent. Donc, si j'appuie sur décimal, j'aurai aussi la valeur en décimal. Donc, mis à part l'accumulateur, j'aimerais aussi connaître le contenu du registre de statut. Parce que lors du changement de banque, on met à 1 ou à 0 respectivement les bits RP0 et RP1. Donc, ce serait intéressant de pouvoir les voir changer dans notre watch window. Donc, on va taper statut. Parfait. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le port B, suivi du trace B, suivi du port D, suivi du trace B. Donc, ce sont les différents registres dont nous avons besoin dans cette application. Maintenant, je vais minimiser un peu mon interface et nous allons compiler notre application. Donc, si nous compilons et qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans le code, parfait. Super. Donc, le programme a été lancé et automatiquement, le compilateur s'est arrêté ici à la première ligne de notre programme principal. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je peux trouver ma watch window qui se trouve, donnez-moi 2 secondes. Ouais, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes présentement. Donc, variable parfaite qui se trouve juste ici. Donc, sélectionnons-la pour qu'elle reste ouverte. Et voyons voir si nous ne pouvons pas organiser un peu mieux notre interface usage. Voilà. Voilà ma watch window. Parfait. Donc, ce que je peux constater, c'est que au démarrage de mon microcontrôleur, tous les bits du port B sont à 0, tous les bits du port D sont à 0. Mon registre de statut contient déjà certaines valeurs, mon trace B et mon. Ah, nous avons mis trace B 2 fois. Donc, corrigeons ça, trace D. Merci. Donc, mon trace B et mon trace D, par défaut, au lancement du microcontrôleur, contiennent FF, respectivement. Donc, par défaut, au lancement du microcontrôleur, le port B et le port D sont en entrée. Donc, exécutons notre programme ligne par ligne. Donc, nous avons ici step over, step into. Donc, nous allons utiliser step into qui nous permet d'exécuter une ligne de code à la fois. Donc, quand nous allons appuyer, l'instruction call config port B va être appelée et automatiquement, le compilateur nous amène à notre souris C. Donc, nous allons ensuite appeler call jump to banque 1. Donc, nous allons être amenés à la banque 1. Et à la banque 1, un bit setFile statut RP0, RP0 qui est le bit 5 du port et du registre de statut. Donc, si nous regardons dans le registre de statut, 0, 1, 2, 3, 4, 5, il est déjà à 0. Donc, nous ne devrions constater aucun changement dans ce registre.
Par contre, pardon, bit 7, ouais, le bit 5, il était déjà, pardon, à 1, donc il est resté à 1. Le bit 6, quant à lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est présentement à 1, il devrait tomber à 0 suite à l'exécution de cette instruction. Nous retournons maintenant vers la prochaine instruction, move LW, qui devrait charger 0 dans l'accumulateur, mais l'accumulateur contenait déjà 0 par défaut, donc aucun changement. Par contre, regardons maintenant ce qui va se produire dans TrisB. L'accumulateur contient 0, mais nous allons bouger la valeur de l'accumulateur vers un registre. Quel registre? Le registre TrisB. Donc, TrisB devrait maintenant contenir 0. Et voilà, TrisB contient maintenant 0. Ensuite, call jump to bank 0. Donc, nous allons maintenant appeler la routine banque 0 qui va remettre à 0 chacun des bits RP1 et RP0 du registre de statut. Et voilà de 1, et voilà de 2, c'est fait. Maintenant, nous attaquons l'instruction return qui nous amène à la fin de notre routine de configuration du port B. Donc, nous allons retourner dans le programme principal et attaquer la configuration du port D à travers la routine que nous avons créée à cet effet. Donc, je vais exécuter rapidement le changement de banque. Nous allons maintenant charger l'accumulateur avec FF, donc des 1 partout. Regardons ce qui se passe dans l'accumulateur, ici en binaire ou ici en décimal. Voilà, donc l'accumulateur contient maintenant FF. Et ce résultat va être bougé vers TrisD. Vers TrisD, nous ne verrons pas de changement puisque par défaut, les ports du microcontrôleur sont configurés en entrée. Donc TrisD contenait déjà un dans chacune de ces cases. Et nous retournons maintenant dans la banque 0 et dans notre programme principal. Parfait. Présentement, le port D contient 0 sur tous ces bits et le port B contient lui aussi 0 sur tous ces bits. Donc, ce que nous allons faire, c'est que si nous exécutons notre programme, le contenu du port D, donc 0,0, vient d'être lu dans l'accumulateur. Le contenu de l'accumulateur vient d'être envoyé sur le port B et autobook, nous revenons au même point. Donc, on peut tourner ici à l'infini. Si jamais nous n'avions pas la possibilité de simuler un changement d'état sur certains des bits du port D, ce que nous allons faire à travers notre fenêtre de stimulus. Donc, je vais venir ici et faire un toggle sur le bit RP, RD0. Et au prochain coup d'horloge, si nous regardons ce qui se passe dans le port D, nous constatons que le bit le moins significatif est effectivement tombé, pardon, le bit le moins significatif du port D, juste ici, est effectivement tombé à 1 et qu'il a bel et bien été lu et mis dans l'accumulateur, puisque le bit le moins significatif de l'accumulateur est lui aussi tombé à 1. Maintenant, le port B est toujours à 0, puisque nous n'avons pas encore transféré le contenu de l'accumulateur au port D, ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, nous avons maintenant un 1 dans le bit le moins significatif du port B. Continuons. Si nous décidions maintenant d'allumer aussi le bit numéro 4, donc le RD3 du port D, et que nous continuons notre simulation, le port D a maintenant 1001 dans ces 4 bits les moins significatifs. Nous allons lire cette information et la mettre dans l'accumulateur. Et voilà, l'accumulateur contient maintenant le même code que celui contenu à l'intérieur du port D, qui est l'équivalent de 9 en décimal ou en hexa. Et cette valeur va maintenant être répercutée sur le port D.
Et voilà. Donc, voici comment, à travers la fenêtre de stimulus et la fenêtre de watch, ainsi que l'instruction step into, nous sommes capables de simuler le comportement de notre programme avant même de le déposer sur son circuit. Nous avons beaucoup d'autres fenêtres et beaucoup d'autres outils de simulation que nous découvrirons au fur et à mesure que nous progresserons dans notre apprentissage. Un de ces outils est évidemment ce qu'on appelle le SFR, donc la fenêtre SFR. La fenêtre SFR nous permet de voir d'un seul coup d'œil tous les special function registers, tous les registres permettant de configurer des périphériques spécifiques de notre microcontrôleur. Donc, au lieu d'avoir une grande liste comme celle-là, j'ai préféré utiliser le Watch Window pour me concentrer seulement sur les éléments qui m'intéressent. Un autre outil intéressant, toujours dans Pick Memory Views, est ce qu'on appelle le File Register. Donc, le File Register représente l'adresse complète du microcontrôleur et en fait, quand nous allons déclarer des variables, un peu comme celle qui se trouve juste ici, dans la section de déclaration de variables de notre microcontrôleur, nous allons pouvoir aller ici dans le file register, inspecter le contenu de ces variables au fur et à mesure que notre programme s'exécute. Donc, voilà pour la deuxième vidéo qui avait pour but de montrer comment ouvrir un projet en assembleur déjà existant sous MPLAB, comment lancer l'exécution de ce programme et l'exécuter pas à pas, et comment tester son bon fonctionnement en exploitant les watch windows et les stimulus. Donc, merci et aux prochaines vidéos.